Marion Limal vient tout juste de poser ses valises sur la pointe finistérienne. Cette arrière-gauche de 27 ans a un beau parcours derrière elle. Pourtant, une autre discipline aurait pu la révéler. C'est un peu concours sans constance. On est venu me détecter en fait à l'UNSS. On est allé voir mon père en demandant s'il me connaissait, donc c'était sa fille, si je jouais en club. Et à partir de là, en fait, on m'a orienté. C'est Dina Borso, sa manager de l'équipe de France maintenant, qui à l'époque était en poste en Savoie, qui m'a orienté vers un club. Voilà, donc après, c'était à moi de faire le choix. Ça faisait 10 ans que je faisais de la gymnastique, j'adorais ça. Les gens ne vont pas comprendre par rapport à mon gabarit, je peux, voilà. Mais c'était ma passion. Et à ce moment-là, je me suis dit, entre le hand et la gymnastique, j'ai peut-être plus de chances dans le hand quand même. Je vais peut-être plus m'amuser et plus de chances d'évoluer. J'ai switché. En 2004, l'année de son bac, elle rejoint Besançon. Jonglant entre les études et le hand, c'est dans ce club qu'elle va découvrir le haut niveau. Besançon, alors déjà le choix de partir chez moi était pas forcément évident. Je suis parti l'année de mon bac, donc je suis arrivé en centre de formation. Je me suis retrouvé avec la D1 alors que je m'imaginais pas forcément arriver directement avec les pros. J'ai joué, j'ai fait mon boulot de jeune du centre de formation, j'ai envie de dire. Et puis après, j'ai évolué, j'ai continué mes études à côté, je suis passé pro la dernière année. Et après, ça s'est enchaîné vite parce que ma dernière année, en fait, j'ai été appelé en équipe de France. Avec l'équipe de France, elle décroche en 2009 une médaille d'argent au championnat du monde en Chine. Une nouvelle étape débute alors pour Marion, qui rejoint le club d'Ipo en Autriche. J'ai été contacté, c'est un club quand même qui a gagné 8 Ligues des Champions. C'était dans les années 2000, mais c'était vraiment une belle équipe avec une grosse structure, un club... familial et qui m'a forcément attiré. J'avais des ambitions à plus haut niveau forcément, et quand on dit à une joueuse de 22 ans qu'elle peut évoluer en Ligue des Champions, forcément c'est intéressant et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai pas hésité et j'y suis allé. C'était surprenant pour beaucoup de monde, je pense, parce que j'étais encore jeune, mais pour moi je pense que ça a été une très bonne décision. Après deux grosses saisons sans vacances, son corps la rattrape et une blessure au poignet la retarde dans sa progression. Voilà, le poignet pour un handballeur, c'est quelque chose de difficile parce qu'on ne sait jamais comment on va revenir, etc. Et moi, ça a été compliqué de revenir, ça a été long surtout. C'est dans ces moments-là qu'on sent qu'on est seul à l'étranger quand même. Parce que justement, c'est aussi dans les moments difficiles qu'on se construit. Je savais que j'allais revenir. Je ne savais pas quand, et ça a pris plus de temps que je l'aurais voulu. Mais j'ai toujours eu envie de me battre pour y arriver. Que ce soit dans les moments de blessure ou même après, c'est pour tout. Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire comme ça. J'ai toujours été une battante. Et non, à aucun moment, je me suis dit, c'est trop, je galère, j'en peux plus, je vais arrêter. Non, jamais. En 2011, elle revient dans l'Hexagone et signe à Metz. Malheureusement, elle ne parviendra pas à s'y imposer. Je pense surtout que le coach avait l'image de moi avant ma blessure, et où j'étais peut-être à mon meilleur niveau de ma carrière, je pense. C'est compliqué pour lui parce qu'il attendait beaucoup de moi. Et moi, j'étais pas forcément en confiance parce que je revenais de blessure, que je savais que j'avais encore beaucoup de chemin à faire. Il y a des moments où j'ai pas su répondre présente, des moments où j'ai pas eu ma chance non plus. Donc c'était compliqué. Mais je pense que j'ai réussi à sortir de cette année difficile. Malheureusement pas forcément rester à Metz, parce que je pense que ça aurait été compliqué encore de travailler dans ces conditions. Mais je pense que ça m'a servi aussi pour la suite. Elle quitte alors la Lorraine pour Nîmes, un club qui la fera renaître. Il y a des clichés qu'on peut avoir, c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans leur cercle, tout ça, mais par contre quand on y est rentré, c'est un bonheur quoi. J'ai passé 2 années super. Ça n'a pas toujours été facile au niveau handball, parce que quand je suis arrivé, j'étais encore en plein doute. J'étais un peu brisé et je me suis reconstruite vraiment. J'ai su reprendre confiance. Et faire deux saisons qui resteront gravées. Brest est sa nouvelle destination. Ici l'attend de nouveaux défis.
Bah, je pense que pour moi, c'était un challenge, vraiment. J'ai jamais joué en D2. Là, c'est un club ambitieux qui met les moyens pour réussir, qui a des projets à court terme très intéressants et j'avais envie d'en faire partie. Je connaissais déjà des filles qui jouaient, je connaissais déjà Laurent pour avoir eu des contacts avec lui. J'ai envie de continuer à progresser avec un challenge inédit pour moi. Je pense que je ne me suis pas trompé. Je vais peut-être faire une très belle saison et créer la surprise. Marion a connu l'équipe de France et c'est un objectif pour elle de la retrouver. Ah, forcément, si je pouvais retrouver l'équipe de France, ce serait génial. Après, je ne me voile pas la face. Je suis plutôt sur la fin quand on voit les jeunes qui arrivent. Et c'était mon cas quand moi je suis arrivé en équipe de France. C'est la logique. Après, si là à court terme on remonte en LFH et que je peux prétendre à une place, forcément j'irai. Moi j'ai envie d'aider surtout le club de Brest à remonter. On va voir. J'espère que ça se fera vite. On va prendre cette année les matchs chacun les uns après les autres parce que ça va être difficile, on sait très bien. Mais il y a moyen que ça soit une belle histoire et j'espère en faire partie le plus longtemps possible. On le sait, la carrière de handballeuse n'est pas éternelle. Marion souhaiterait se reconvertir en kiné, mais elle a aussi d'autres rêves. Je pense qu'il y a plein de petits rêves. Je rêve pas de choses extraordinaires, mais je pense qu'un jour, je voyagerai beaucoup. Peut-être tout ce que j'ai pas forcément pu faire depuis que je suis jeune. Je vois des amis qui prennent leur sac à dos et sont partis, qui partent au bout du monde. J'adore voyager, j'adore découvrir. C'est pour ça qu'on est là aussi. J'aime les grands espaces, voir de belles choses. Je pense que vraiment, un jour, je partirai. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'espère avoir la possibilité de le faire rapidement après le handball.